Le FC Barcelone aurait trouvé le remplaçant de Léo Messi. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du nouveau jeu, du nouveau Léo Messi. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, le FC Barcelone aurait trouvé son nouveau Léo Messi. Ce joueur, c'est Ada Güler, les gars. C'est un mec qui est né le 25 février 2005. Il a 18 ans. C'est un mec qui joue à Fenerbahçe. Il a 1,76 m. Il est gaucher. Il peut jouer milieu offensif. Il peut jouer ailier droit. Donc, il est polyvalent. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités. C'est un joueur dont tous les grands clubs veulent s'accaparer. Maintenant, donc, les gars, est-ce que ce joueur peut être le nouveau Léo Messi? Moi, je pense que non. Je pense que non parce que Léo Messi est un joueur unique. Des joueurs comme Léo Messi, il y en a une fois tous les 100 ans. Donc, je ne pense pas que ce Ada Güler, les gars, il peut vraiment faire oublier Léo Messi dans le cœur des fans du Barça, voire même dans le monde du foot, tout simplement. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Je parle de Ada Güler, mais pour moi, je ne pense pas qu'il fera oublier Léo Messi. Je ne pense même pas qu'il sera seulement à la hauteur de Messi, les gars. Mais c'est un joueur avec beaucoup de qualités. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Donne-moi ton avis par rapport à ce joueur. Est-ce que tu as vu jouer ce joueur? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!